Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment animer très simplement un petit mécanisme dans Onshape pour voir la cinématique. Donc le mécanisme étant modélisé, les contraintes ont été placées. Dans ce mécanisme ici, on a un système vis-écrou. Juste la liaison vis-écrou n'a pas été créée, donc je vais la créer maintenant. Je sélectionne Screw Relation. Je vais chercher la contrainte de base qui a été placée, donc c'était une liaison pivot glissant, c'est celle-ci. Donc je la sélectionne, je mets le pas souhaité, donc je vais mettre, pour que ce soit visible, je vais mettre 5 mm de filetage et je vais inverser la direction pour être dans le sens d'un pas à droite. Voilà, je valide. Ensuite, comment faire pour animer tout ça? Alors, on ne peut pas animer, encore, enfin en tout cas pas à ce stade du développement du logiciel, on ne peut pas animer directement la liaison vis-écrou. On va chercher à animer une autre liaison, par exemple la liaison entre les deux bras, entre le bras orange et le bras bleu, donc la liaison pivot ici. Donc je vais aller sur la liaison pivot, Revolute, je fais donc Animate. Je vais placer mon mécanisme à peu près dans une situation intéressante. Je vais, donc là je suis en position initiale, je veux que ma position finale, le bras orange, soit reculé. Donc je vais reculer d'environ 45 degrés, donc je vais mettre moins 45 degrés avec 300 positions pour que ce soit un mouvement lent, que ce soit bien visible, et je vais lancer l'animation. Alors, ici j'ai volontairement fait une petite forme sur cette pièce pour bien voir que la liaison vis-écrou fonctionne bien. Voilà. Donc je peux également faire un système aller-retour pour voir le mécanisme fonctionner dans les deux sens. Voilà. Donc là, on voit bien les mâchoires se fermer. Voilà pour cette petite démonstration.